Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 8 mars 2021, Hortense, Catherine Davidzeka, apprend pourquoi Charlène, Paula Petrenko, s'en est prise à elle. Les deux jeunes femmes se retrouvent pour faire une mise au point. Charlène avoue tout, il y a un an, elle aussi a entretenu une relation avec Hugues, Jan Sundberg. Il lui offrait également des cadeaux et la choyait. Charlène commençait à avoir des sentiments pour lui mais il a décidé de tout arrêter du jour au lendemain. Charlène continuait à lui écrire mais sans succès, la page était tournée pour celui-ci. Lorsqu'elle a constaté que Hortense et Hugues avaient débuté une idylle, elle est donc devenue jalouse et a créé le faux profil des corps de Constance. Hortense demande à Charlène d'aller tout dire à Claire, Catherine Marshall, afin de rétablir la vérité sur elle. Mais la coupable refuse d'abord. Elle se dispute en classe et Charlène finit dans le bureau de Claire. Dos au mur, elle expose ses méfaits. Elle connaîtra sa sanction plus tard. Claire et Guillaume, Bruno Poutsoulou, cherchent à présent un moyen de se débarrasser de Hugues, afin qu'il n'intervienne plus à l'école. Ce dernier fait toujours du chantage à Claire en la menaçant de révéler qu'Auguste, Francis Husté, avait acheté sa maison avec l'argent de l'Institut. Si cela arrivait aux oreilles des autorités, elle pourrait aller en prison. Charlène démasquée dans Ici tout commence, Claire et Guillaume décident quand même de se passer des services de Hugues à l'avenir. Qu'il réitère ses menaces. Eux lui répondent qu'ils informeront ses collègues et tous ses clients qu'il agit comme un prédateur sexuel avec des jeunes femmes. Refroidi par cette idée, il se taira. Plus tard, le bruit circule dans l'école à propos du fait que Hortense n'avait rien à voir avec ce profil des corps. Tessier, Benjamin Baroche, tombe sur elle et la provoque, il pense qu'elle est le genre de personne à jouer de ses charmes parce qu'elle est vénale et qu'elle a ensuite crié faussement au loup pour se débarrasser de lui. Hors d'elle, Hortense lui révèle que si est-il Charlène, sa fille, qui a tout manigancé et qu'elle a elle aussi eu une liaison avec Hugues. Le professeur de cuisine devient livide. Comment réagira-t-il ?